Je vous parlais un petit peu de comment je travaille sur l'Inde. J'essaie d'organiser pour l'instant une narration, ou en tout cas une construction filmique. Voilà, ça va être un film de toute façon, fait à partir de photographies, de films et de sons pris sur place. Donc, pour commencer, je vais vous faire écouter quelque chose de très... En fait, j'ai commencé une des premières choses que j'ai fait en arrivant. Je pense que c'est du jet lag aussi, et puis la chaleur aussi, parce qu'on n'avait pas l'habitude. On est passé quand même de l'hiver à l'été de façon radicale, on va dire. Donc évidemment, le corps est un peu, un peu détraqué là. Et donc, moi je me levais très très tôt. Genre 4h, 5h du matin au début, et très longtemps en fait. Hein. En fait, je me suis aperçu que c'était très agréable de se lever très tôt parce qu'après il fait tellement chaud qu'il vaut mieux être un peu matinal dans ce pays. Et alors voilà, j'ai commencé à enregistrer les oiseaux en fait, tout simplement. C'est essentiel. Hein. C'est essentiel parce que ça resitue. En ce qui me concerne, ça resitue les choses dans le passé, mais ça a une fonction aussi complètement évocatrice d'un univers qui non relié à l'image. Ça crée des images, le son crée des images, en fait. Il précède l'image. Et donne le diapason de l'univers dans lequel on va être. C'est évocateur, c'est très stimulant, je trouve, au niveau de l'imaginaire, en fait, vraiment, vraiment. C'est une espèce de petit package comme ça dans le projet, donc qui s'appelle Radio Minetics. Où je commence à trier en fait tous les médias, les choses que j'ai. En fait, je me re-regarde des choses. Ce qui est très important, c'est de laisser passer du temps pour que les choses prennent leur autonomie et que notre sens de la redécouverte des images soit suffisamment aiguisé pour qu'on soit étonné de ce qu'on, pas de ce qu'on a fait dans le bon sens du terme, mais d'être étonné de la réalité qui nous revient en mémoire présente, enfin dans le présent. C'est ce que j'adore et j'adore travailler comme ça. Notre œil de cinéaste ou de photographe est toujours quelque part attiré vers un endroit de l'image et pas dans sa globalité, pas dans la totalité, parce que c'est pas possible. C'est impossible. Donc ce qui est assez chouette, c'est de redécouvrir après des choses qui en fait finalement paraissent beaucoup plus importantes à son seconde vue, une seconde vision. Donc voilà. Alors je me fais tout le temps une chose qui s'appelle les images clés. Alors les images clés, voilà, elles commencent effectivement avec la lune, qui sera dans les premières images en fait du film. Donc cette lune, on va la retrouver ici, on va la retrouver là. Je trouve que l'introduction, en fait, ce serait donc cette lune avec un mouvement de caméra très très lent, en diagonale, et qui va d'un point lune à une cité complètement en bas à droite. Et ce que vous voyez ici, c'est un arbre, en fait, un arbre énorme. En fait, c'est une espèce de truc complètement disproportionné, donc c'est a priori plus de l'ordre d'image onirique que pour l'instant on n'a pas d'indice suffisamment précis pour savoir si c'est quelle ville c'est exactement, mais voilà. Alors
Si on l'agrémente évidemment d'un peu de son, ça change absolument tout. Là, ça va être vers 5h du matin. Ah, ça c'est marrant. Eh bien, en fait, on va être dans un registre très naturel, hein, finalement, avec juste des sons d'oiseaux et mouvement de caméra qui descend très doucement sur la vie au loin. Tac. Voilà. Ça, c'est l'introduction du film. Et voilà. Hello, bonjour. Voilà, je vais vous parler un petit peu de l'exposition à Paper House. Le travail s'appelle Invisible Cities, réalisé, je dirais, entre 2015 et 2017. C'est une tétralogie, donc c'est quatre films de longueur pas non égale en fait. Hein. Il y en a qui. Enfin, le plus court, ça va être à peu près 9 minutes, et le plus long 15. Donc, par contre, présenté en mode d'installation vidéo, donc dans un espace qui était donc celui du Paper House. Voilà, donc ça c'est la partie gauche. Donc, à gauche, tout à fait au fond, métabolisme, à sa droite plutôt, Japan Principal. Et puis, la deuxième photographie qui représente l'espace. Donc ça c'est Shrinking Cities ici et là c'est Station. Je me suis positionné au milieu de la salle et j'ai shooté à gauche et j'ai shooté à droite. Ok, pour qu'on ait quand même un ensemble assez, enfin une vue assez spatialisée. Et après je me suis amusé à recoller les deux morceaux l'un à côté de l'autre. Évidemment ça me donne une géographie des lieux complètement fausse. Dans l'espace réel, on va dire que ça n'existe pas du tout. Moi, ça ne me gêne pas sur l'image photographique, ça me fait même un peu rire, et ça me donne carrément même des idées de comment montrer ce travail différemment, en fait. Les durées de chaque film sont différentes, elles sont pas du tout, l'installation n'est pas du tout reliée à un computer qui générerait un flux perpétuel de choses où tout est dans un ordre assemblé et voilà, ça déroge pas à la règle, c'est absolument faux. Ce que je veux justement, c'est que les temps évoluent et en fait les images en fait se rencontrent. Et ça j'adore parce qu'en fait on voit jamais la même chose. Jamais la même chose. Et des fois on a pareil. On a des espèces de fulgurances comme ça, de surprises absolues entre un film et l'autre, parce qu'il y a deux images qui matchent tellement bien qu'on pourrait quasiment presque les prendre et puis refaire un montage avec, en fait. Enfin bon, c'est des choses que je laisse volontairement complètement libres, en fait. Mais vraiment, c'est un souhait de ma part, tout comme le souhait de l'interprétation des spectateurs, que ça parle aussi d'un mouvement architectural qui a réellement existé, dans lequel j'ai été chercher dans leurs archives des choses non réalisées que j'ai réalisées par la suite en images de synthèse et intégrées dans des paysages réels par contre. Hein, c'est tout le travail que je fais, c'est un travail d'assemblage entre le réel et le virtuel. En fait. Voilà. Je vous présente c'est le bouquin que je suis en train de lire en ce moment, en fait, enfin en tout cas je me documente, parce que ce qui m'a beaucoup, enfin ce que j'ai adoré en Inde, enfin, ce sont les arbres justement, et donc je me suis un peu renseigné, il y a eu une exposition à la Fondation Cartier sur l'arbre justement, dont c'est le catalogue que je suis en train de consulter. On travaille de toute façon au niveau des recherches documentaires sont très importantes. Les recherches sont très importantes parce qu'elles articulent un peu, elles sont à la croisée en fait des scénarios que je vais composer ultérieurement.